Bonsoir à tous. Le marché parisien est reparti en hausse aujourd'hui, à la veille de la réunion de la BCE. Et avec du vert ce soir pour Crédit Agricole, la banque a présenté ce matin son plan stratégique à moyen terme. Le bénéfice net à l'horizon 2019 devrait dépasser 4,2 milliards d'euros. Les autres bancaires ont également été recherchés aujourd'hui. Et puis du vert aussi pour GL Events après ses résultats 2015. Casino a perdu du terrain à l'inverse. Le groupe a publié ce matin des résultats en baisse, sans surprise, sous le coup notamment de la situation au Brésil. Et puis Vallourec aussi recule après sa remontée spectaculaire de la semaine dernière. Dans une actualité calme avec la fin de la période des publications de résultats 2015, les initiatives sont restées limitées aujourd'hui et l'attention reste tournée vers la réunion de la Banque Centrale Européenne. Ce sera demain. Les marchés attendent de Mario Draghi une nouvelle baisse du taux de dépôt fixé à moins 0,3% actuellement et une augmentation du montant mensuel des rachats d'actifs à ce jour à 60 milliards. Attention toutefois à la réaction des marchés puisque Mario Draghi pourra difficilement surprendre dans le bon sens et que les initiatives de soutien de la BCE semblent désormais atteindre leurs limites. Fin de ce flash et vous avez rendez-vous demain matin à 9h30.